ça c'est une tuerie, les beignets de gambasse. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Paris, au Jardin des Plantes, ça fait du bien de profiter d'un peu de verdure en plein cœur de cet été. J'espère que tout va bien pour vous. Si je suis là, c'est parce que vous avez peut-être entendu parler de ce restaurant éphémère qui est ouvert jusqu'au mois d'octobre. Ici au Jardin des Plantes, c'est le restaurant Manzili de Mohamed Sheikh qui a gagné Top Chef cette année. C'est complet 3 à 4 semaines à l'avance. Là pour l'instant c'est complet jusqu'au 25 août, donc allez checker les créneaux de réservation pour trouver une place fin août ou début septembre, en tout cas avant octobre. Suivez-moi, on va retrouver Mohamed, le gagnant de Top Chef. Il est là le chef, ça fait plaisir. Comment tu vas Mohamed? Ça va et toi? Super. Ah bah trop trop bien. Bienvenue Manzili. Super parcours dans Top Chef. Cool. Tout le monde t'en parle, tu fais des tonnes d'interviews dans tous les sens et tout ça. Ouais, je suis très content de l'intérêt qu'on a sur moi quoi. Je me suis dit que bah pour le coup, même si t'as pas besoin de moi parce que t'es complet, je me suis dit quand même je vais venir tester rien que pour le cadre. On est au Jardin des Plantes ici, l'endroit est super. Ouais. Et t'es là pendant tout l'été avant peut-être un resto à toi. Exactement, on travaille sur d'autres projets mais là on est jusqu'au 3 octobre inclus. Et on est complet déjà sur un bon moment. Ça me fait d'autant plus plaisir de te rencontrer qu'on est du même coin. Moi j'ai grandi à Fontenay-sous-Bois aussi. Arrête. 9-4, mais ouais. Moi j'étais plus vers les rigolos. Ah oui d'accord, c'est incroyable. Et toi? Je sais pas. Bah moi Bois-Cadet. Bois-Cadet, mais ouais, je connais bien. Très bien. Trop fort. Et t'as bossé, t'as fait un stage, j'ai vu, au petit Beaufinger à Vincennes qui a confirmé ta vocation. Exactement, j'étais en 4e, c'est là où tout a commencé. Et c'était au collège Joliot Curie du coup que tu dois connaître. Ouais, je connais. Il m'avait dit voilà, si tu veux continuer, il faut que tu ailles voir ce qui se passe et tout dans ce métier. Et donc j'avais été à Vincennes, le petit Beaufinger, c'était magnifique. Il n'existe plus. Non, ça a changé de resto là. Il y a un autre resto à la place, j'ai pas encore testé. Du coup, tu allais comment? En bus, en 118 ou alors en RER? 124. 124, mais ouais, bien sûr, 124. Il passait par chez toi du coup. Ouais, exactement, par les rigolos. Ah là là, ça se trouve, on s'est croisés. Ouais. Trop bien. Bon, bah du coup, tu montres un petit peu comment ça se passe en cuisine. Ouais, allez, c'est parti. Donc là ça y est, on est dans la cuisine, c'est là où tout se passe, donc là j'arrive un petit peu en fin de service mais c'est encore agité parce qu'il y a tellement de monde que ça n'en finit plus quoi. Ouais, là c'est la folie, encore 2 ou 3 tables qui viennent d'arriver. Et en plus de ça, nous c'est le croisement entre les deux équipes, entre l'équipe du matin et l'équipe du soir. Donc un peu d'effervescence dans la cuisine, fin de service, voilà, c'est la fin du fight. Bon, en même temps, t'as l'habitude parce que t'es jeune, t'as 28 ans, ouais. Mais t'as déjà bossé dans des grandes maisons, dans des grandes tables, t'as déjà été chef. Ça change quelque chose que là, ce soir, les gens, il y a beaucoup de gens, on le voit, qui viennent pour toi. Vraiment pour toi, il y a vraiment un truc, c'est vraiment personnalisé, c'est pas que pour la cuisine, c'est pas que pour le cadre, c'est pour toi, ça change quelque chose, c'est encore plus de responsabilité. Bah non, mais c'est surtout que ça fait super plaisir. Quand tu vois que t'as un restaurant qui est complet midi soir, forcément il l'est parce qu'on a de bons retours sur la food. Mais c'est vrai que je le vois quand je monte, et puis tu as vu tout à l'heure, les gens ils m'interceptent sur mon passage à chaque fois pour me remercier, pour avoir une photo, etc. Et ça c'est vraiment dingue. Et vraiment je les remercie tous du fond du cœur d'être aussi d'avoir autant d'engouement en fait pour moi, d'avoir autant de m'avoir autant suivi et tout, et ça fait plaisir. Après c'est vrai qu'au quotidien, si tu veux, quand t'es là 7 sur 7 et que tu fais des services midi soir avec 200 personnes à chaque fois, ce que je leur dis aux gens c'est que. Ça fait, si je fais 1 minute par personne, ça fait 200 minutes. Ouais. Tu imagines? Et t'as la cuisine à faire. Quand même. Et voilà, faut que. Cuisine plus en photo, fait, c'est le package. Voilà, tu vois. Faut œuvrer pour leur bonheur, donc faut que je sois là aussi avec les gars aussi quand même. Tu peux pas faire les photos avec tout le monde. En tout cas, non, c'est super positif et du coup, c'est un coup d'accélérateur. T'as commencé quand même super jeune ta carrière. Ouais. Là, t'es encore jeune. Tu t'étais présenté d'abord à Top Chef en 2015, ça l'avait pas fait? Exactement, je suis allé jusqu'à la dernière phase de sélection, mais il dit jamais pourquoi. Hein, mais j'avais pas été sélectionné parce que moi, je pense que j'étais pas encore tout à fait prêt pour plusieurs raisons. Ah, voilà, chaque chose en son temps. Ouais. Et là, du coup, bah, ça veut dire que c'était le moment. Non seulement t'as été sélectionné, t'as gagné. Le destin est bien fait. Et du coup, bah, la médiatisation, ça fait gagner des étapes. Ouais, ouais, à qualité égale, imagine t'as deux super chefs forcément. Ouais, ouais, ouais. Là le fait de passer à la télé sur M6, bah, ça contribue aussi au fait que ce bien soit sûr. Blindé. Bien sûr, non, c'est évident. Et après il y a un tout en fait, les gens parlent vachement de ce qu'ils ressentent à travers l'écran, de personnalité, En fait ils ont été sensibles à ce que j'ai pu dire ou retranscrire. Il y en a qui se sont retrouvés un peu dans ça. Bon, il y a un mec qui est venu il y a 2 semaines, il me dit j'avais un peu abandonné le travail, tout ça, j'avais un peu lâché le morceau. Et quand je t'ai regardé, ça m'a donné envie de me lever le matin et de retourner donner des CV. Je lui dis mais vraiment, il me dit ouais, je te jure. Putain, c'est dingue en fait l'impact que ça peut avoir. Donc non, je suis très content. C'est une source d'inspiration, surtout dans la cuisine. T'es obligé d'être passionné, c'est un métier tellement dur. T'as des horaires de fou, t'as un travail de fou, si t'as pas la passion avec, c'est ce qu'on dit souvent, c'est pas possible. Mais c'est vrai que des fois même avec la passion. On en parlait encore ce matin, donc carrément. C'est un métier qui est dur. Et on galère tous aujourd'hui, il n'y a pas un restaurant qui a une équipe complète. Quoi.
tellement que c'est un métier qui est compliqué, que les jeunes ils veulent plus faire ça, ils veulent plus travailler le jour férié, ils veulent pas travailler le week-end, ils veulent pas travailler les moments où les autres sont en soirée quoi. Alors, parce que c'est une passion qui vient de ta plus tendre enfance quand tu étais jeune, c'est ça? Ouais. Moi je me suis jamais posé la question de ce que j'allais faire plus tard si tu veux. Pour moi c'est inné. J'aime tellement, c'est rare, hein. Tellement la nourriture qu'en fait j'ai été baigné dedans, je traînais dans les casseroles avec ma grand-mère. Et après j'ai commencé à voir des reportages un peu sur les écoles de majordome, etc. Cuisine, je les voyais avec les tops et tout autour de cou. Et j'ai tout de suite su que c'était ce métier-là que je voulais faire. Et aujourd'hui je regrette pas une seconde. Donc toi ici t'as dit Manzili c'est cuisine méditerranéenne, c'est ça? Voilà. Donc en fait on est ouvert de juin à octobre. Donc si on prend la saison, finalement c'est l'été. Et l'été c'est là où on a les produits donc de Méditerranée, finalement, les produits de Provence, etc. Donc on est parti à fond là-dessus. Produits estival avec une belle terrasse, voilà, on est à l'extérieur, il fait beau, on mange des choses fraîches, des belles tomates, de la pastèque, des tartares. Et puis après quelques inspirations un petit peu issues de mes origines aussi qui plaisent beaucoup aux gens. Alors le chou-fleur, ras à la noûte, pistache et tzatziki. L'onglet de bluff façon kefta. On fait mariner en fait comme un kefta, sauf qu'on garde la viande en fait en entière, sauf de la mettre en haché quoi. Voilà. Ah, ça doit être intéressant. Pas trop la viande hachée moi, donc je me suis dit autant avoir de la mâche sur le produit et. Quand on est chef, on peut se faire plaisir à soi-même, hein, c'est l'avantage. Ouais, carrément, carrément. Donc voilà. Le poulpe avec les condiments poivron et ail confit. La carotte au cumin. Ouais. Le couscous mesfouf donc sucré. Et le tagine de pois chiche. Trop bien. Voilà, là c'est le caviar d'aubergine, traditionnel, les gambas épicées, ah ouais. Et le pain libanais pour accompagner tout ça. Voilà, super, voilà. Là franchement, là, y a du couvert. Plein, génial, plein de bonnes choses, plein de couleurs, plein de saveurs, avec des épices, du goût, des marinades et tout, et voilà voilà quoi. Et du coup ces petites inspirations comme ça, ça devient au voilà, feeling comme ça, en fonction de l'inspiration, de la météo, du producteur qu'on va voir. Ouais, ça compte beaucoup du coup le choix des produits. La base c'est le bon produit. Eh ben ouais, carrément, carrément, carrément. Sans un bon produit, il n'y a pas de bonne cuisine. Hein. Clairement, c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de respect en nos agriculteurs et aux gens qui sont avant, sur la chaîne d'avant nous quoi. Parce que sans eux on fait rien et quand t'as un beau chou-fleur ou un beau légume ou une belle viande déjà. Tu rajoutes juste une belle cuisson et un bon condiment et finalement ça marche tout ça. Quand t'as un bon produit déjà, c'est plus difficile de se planter. Ah bah ouais, carrément, carrément. Ouais, sauf si t'es un mauvais cuisinier. Exactement. Mais je crois pas que ce soit le cas là. Ou alors on nous a arnaqué à la télé. Je les ai payés. Ouais, c'est ça. L'idée c'est d'avoir en fait des assiettes de partage, d'avoir on est au un milieu. Concept convivial et de kiffer la live quoi. Super, voilà. Ça déchire. L'idée c'est les vacances. Et donc cet hiver tu fais de la raquette. Cet hiver on fait de la raquette. Gros blochon. Il y a de quoi se faire plaisir. Bon franchement, il y a de quoi faire. Hein. On va se prendre un petit peu du couscous sucré. Avec ce tagine de pois chiche là qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Parmi les trucs qui ont attisé ma curiosité dès que j'ai vu la carte, il y a aussi cet onglet de bœuf façon kefta. Parce que du coup, la kefta, bah, c'est toujours de la viande hachée. Mais là, on va retrouver les épices façon kefta, mais avec de l'onglet de bœuf qui n'est pas haché du coup. Et on voit direct la beauté de la viande. Hein. Allez, on y va. La viande est bien marinée. Je fais un petit mix avec le couscous plus le tagine de pois chiche. Et ça, ça le fait. Hein. Je sais pas si vous avez déjà goûté le couscous sucré. Mais franchement, c'est très très bon. Petit caviar d'aubergine, là. L'un de mes péchés mignons. Avec le petit pain libanais, qui a l'air délicieux. C'est vraiment des influences d'un peu partout en Méditerranée. Ça, c'est beau. Franchement, un bon caviar d'aubergine, bien frais, avec un bon petit pain libanais comme ça. Alors sûr, il est vraiment bon. Bon, ces derniers temps, je suis tombé sur plusieurs chefs qui se sont mis à me faire aimer le chou-fleur. Donc là, on va voir si ça confirme la règle. Petite sauce tzatziki, chou-fleur grillé. Le chou-fleur, il passe crème avec. En fait, les gars, j'aime le chou-fleur, je crois. Tiens, je vais attaquer ces petites tentacules de poulpe grillée avec paprika fumé, condiment piquillos. Le poulpe, ça peut parfois être casse-gueule sur la cuisson. Ça peut être trop dur et tout. Là, la cuisson est vraiment parfaite. Hein. Ah, regardez ça, petite crevette, là. Ça a l'air magnifique, ça. Beignet de gambas sauce piquante. Ah, c'est délicieux. Ça pique un peu, mais il y a un vrai goût. Et ça, c'est une tuerie, les beignets de gambas. La crevette est bien épaisse à l'intérieur. La pâte à beignets est toute fine. On a vraiment l'impression de croquer dans une crevette. Quoi. Et la sauce est super bonne. Et j'ai pas goûté la carotte encore. Carotte rôtie au cumin avec une mayonnaise à l'orange.
délicieux. De base, j'ai rien contre les carottes. Bon, franchement, on a bien mangé. Là, maintenant, il y a des desserts en plus. Bah ouais, quand même. Il y a les magnifiques desserts, sans compter le signature Nomade. Alors, c'est quoi le signature? Il y a quoi? Le dessert que Mohamed a gagné à la gare des restaurants, avec le restaurant Le Nomade. Donc, tu as un crémeux citron à la fleur d'oranger. Par-dessus, il y a un sponge cake basilic citron vert, des petits agrumes flambés et des pistaches torréfiées. Magnifique. Donc, c'est un mélange de tout. Quand on prend tout dans la bouche en même temps, c'est un explosion de saveur, comme on dit. Voilà. Une bouchée parfaite. Et c'est ça, la bouchée parfaite. Et là, on a la pêche Melba aussi. Donc, c'est un granité verveine. Okay. Avec une belle pêche rôtie à l'intérieur, une chantilly fait maison et des petites pédales d'amandes voilà par-dessus. Génial. Et des belles pêches rôties exactement. Et là une palova, une chantilly revisitée avec fruits rouges, chantilly et on a les belles myrtilles, les framboises par-dessus. Mais moi mon préféré franchement c'est celui-là. Ah, la signature, alors, on va goûter forcément. C'est quelque chose. Hein. Et bon, on va voir ça. On va essayer de faire la bouchée parfaite parce que ce dessert on en a entendu parler. On va le tester, c'est de l'art. Hein. Ah, ça passe tout seul ça. Le petit sponge cake là, il est léger. En fin de repas, ça passe bien. Avec le crémeux citron, la fleur d'oranger. C'est vrai que c'est super sympa et original. Là, il y a la petite pêche Melba là, rafraîchie à la verveine. Pour le coup, c'est vraiment rafraîchissant. Alors, cette petite pavlova revisitée. Parce que du coup, il n'y a pas de meringue en dessous. Il y a des petits morceaux de meringue et par le dessus. Du coup, c'est bien en fin de repas parce que ça fait genre une pavlova plus légère que celle qu'on a l'habitude de manger avec plein de meringues super sucrées et tout. Aussi bien le cadre que ce qu'on a dans l'assiette. Il y a un petit goût de vacances. C'est un resto qui a été pensé vraiment pour l'été, resto éphémère. Et j'ai adoré l'expérience quoi. Bon bah chef, voisin, ça fait trop plaisir. Carrément. Non, trop bien, et puis bah, c'est que le début de ton aventure là. Hein. Ah ouais, la route est encore longue. Ah ouais, j'imagine qu'on aura l'occasion de se recroiser pour la suite. En tout cas, d'ici là, bah, venez profiter jusqu'au mois d'octobre et guettez bien. C'est comme Doctolib, guettez bien quand ils ouvrent des créneaux de réservation pour le restaurant. C'est la grande bagarre pour avoir une place. Exactement, et c'est justifié quoi. J'ai un pote là qui vient de m'envoyer un message, il a vu que j'étais sur Insta, il me fait non, mais j'arrête pas d'essayer d'avoir une place. C'est normal. En tout cas, bah, voilà, ça fait super plaisir, puis d'avoir vu, parce que je voyais les photos jusqu'à présent. Ouais, ouais. Et c'est mieux de goûter quand même. Vraiment, c'est là où il y a le réel quoi. Exactement, ouais. Bah, merci à toi Mohamed. Merci, bravo. Merci, c'est un honneur, avec plaisir. À bientôt. Bon, franchement, j'aurais pas mal mangé, hein. Ce sont des mezzés à partager, donc chacun choisit le nombre de plats qu'il veut en fonction de l'appétit de chacun, du nombre de convives à table et ainsi de suite. Mais franchement, je trouve que ça vaut le détour et que c'est pas surcoté. Ce que j'ai mangé était vraiment très bon. Alors, je vous dis ce que j'ai préféré, c'était les petits beignets de gambas avec la sauce piquante. Ça, c'était vraiment super bon. J'ai adoré le caviar d'aubergine, j'ai beaucoup aimé les carottes, le couscous sucré aussi est super bon, le poulpe, bref j'ai à peu près tout aimé, hein, je vous avoue. Mais les petits beignets de gambas, franchement, ça peut paraître tout bête, mais ils ont vraiment quelque chose de particulier. Ils valent le détour, j'aurais pu en manger encore plus s'il n'y avait pas eu tout le reste. Bref, voilà, merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. Florian.